Moi, c'est Blue. Je suis un dresseur Pokémon trop balèze, t'as pas idée. Mais parle-moi un peu de toi. Avant de vous parler un peu de moi, je vais vous dire... Salut tout le monde! Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Par contre, moi je suis une fille. Ah, bah, c'est là. Une fille. Comme ça, oui! Bon, on va laisser comme ça. Tac, les yeux. Comme ça, là, comme ta chaîne, parce que c'est moi en fait. Ok, bon, on va laisser comme ça. Tu t'appelles Jessie? C'est pas mal comme nom. Pas aussi cool que Blue, mais tu défends. Maintenant, je vais te révéler pourquoi on est là. Toi et moi, on va participer à un événement sans sas. Le World Pokémon Master WPM, pour faire court. C'est un tournoi géant où des dresseurs venus de quatre coins du monde se rassemblent pour se battre par équipe de trois. Mais attention, chaque dresseur a droit qu'à un seul Pokémon dans cette compète. C'est le travail d'équipe qui compte. Je parie que tu as hâte d'affronter à tout un tas de dresseurs, je te comprends. Alors c'est parti, l'univers de Pokémon Master nous atteint. Bon, désolé, y'a pas d'intro. Oh, cool, j'ai Pikachu! Oui! Oh, moi, je jouerai tout le temps avec Pikachu! En deux, si j'ai pas dit bonjour et tout, c'est que l'entrée, ça a commencé direct. Bonjour, je m'appelle Tali, je suis l'hôtesse d'accueil du World Pokémon Master. Je suppose que vous souhaitez vous y inscrire avec votre Pikachu, n'est-ce pas? Avant toute chose, tenez, c'est pour vous. Waouh! J'allais dire le Pokédex, mais le Porygophone. C'est un Porygophone, un outil de communication polyvalent et indispensable à Patio. Le WPM est un tournoi où l'on s'affronte par équipe. Utilisez donc cet appareil astucieux pour contacter vos coéquipiers ou duo. À propos, à Patio, on appelle duo la paire qui forme un dresseur et son Pokémon. C'est une notion essentielle ici. Oh, mais j'y pense. Je suppose que vous êtes à la recherche des coéquipiers, n'est-ce pas? Dans ce cas, permettez-moi de vous présenter des duos dans la même situation. Pierre, j'ai entendu parler de toi. Tu chasses aussi des coéquipiers pour parler au WPM. Tu peux compter sur nous, formons une équipe et battons-nous ensemble au WPM. Tu es d'accord, Ondine? J'ai écrit Ondine comme Ondine. Bon, allez, on va dîner et tout. Mais non, c'était Ondine parce qu'elle s'appelait Ondine. Peu, elle a l'air déterminée. Ça me plaît. Moi, c'est Odine. On va tout faire pour gagner. Ouais, oula. Ok, ça commence. Yeah! Tu as entendu parler de la championne d'arène de Kanto? On appelle la sirène en short. Eh bien, c'est moi, Andine. Et moi, je m'appelle Pierre, ravi de te rencontrer. Et hop là, et un coéquipier de plus. C'est super tout ça. Je suis Pierre, le champion de l'arène de Shanta. Je crois qu'en grande résistance, la Pierre. C'est bien. Et si nous allons explorer la ville, maintenant que notre équipe est prête. De nombreux duos se sont réunis ici. Je suis sûr que nous trouverons d'autres coéquipiers. Tiens, c'est pour toi et prends ton temps, nous partirons quand tu seras prêt. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est la carte. C'est la carte. Hey, que. Quoi? On va aller voir. Le plus important, c'est d'aider ses amis et ses partenaires. Ils doivent passer en premier. Qu'on soit Pokémon ou dresseur, c'est très difficile de tout donner pour ses amis. Mais ça vaut le coup si on y arrive. Ensemble, on peut tout cacher comme une capacité du haut. Un plaisir tout, cela nous permet de partager des super moments. On va tous les parler, et puis après on avancera. Hein. Le mieux c'est de faire petit à petit, de prendre connaissance avec tout le monde et tout, et après d'avancer. Les vraies top tresseuses, acteurs d'une très grande importance à côté de leur sommeil. Il est primordial de bien récupérer toute l'énergie dépensée pendant la journée. Et pour cela, rien de tel qu'un coussin Pokémon bien douillé, accompagné d'un mulesana pour éviter des cauchemars. Un coussin? Oui, Ondine. Tu ne trouves pas que tous les Pokémon eux sont adorables? Staroth, Psycho-Quack, Lamantine,
Je laisse lire tous les noms de, des Pokémon. Hein. Tétarte. J'ai dit Tétarte, mais non, c'était Tétarte. Toutes ces petites chéries, et bien ce même mon bâtard narcissiste. Et oh, c'est l'étoile. Et à toi, Pierre. En plus d'être champion d'arène à Kanto, j'ai participé à des fossiles. Ça me permet d'apprendre à connaître les terres. Tata. Intéressant, tu connais le Pokémon ancien. Personnellement, ça trouve passionnant. Ouais. Ouais, mais à lui, c'est qui lui? Plus les commandes sera, voilà, Pokémon sont rapides, plus la chose capte mon. Vite, du coup, on peut utiliser plus de capacités dans le même laps de temps. J'ai donc pris la décision d'aller courir avec mon Pokémon. Oh, c'est bien de faire du sport. Il faut faire du sport, c'est très très bien. Ok, aventure, scénario principal. Et c'est parti! On va faire le chapitre 1 pour cette début de let's play. Peut-être ça vous plaît, on peut faire un let's play. Et puis ça vous plaît, le chapitre 2, on fera, ben, en fait, chaque chapitre aura son let's play. Comme ça, au moins, si certains durent vite et certains durent pas vite, ben, ce sera pas de ma faute, ça dépendra des chapitres. Nous sommes à Cordis, la plus grande ville de l'île artificielle de Passion. Arrête de tourner avec ta tête là, le gros truc caillou là. Je connais un duo susceptible de rejoindre notre équipe. Allons à sa rencontre. Oh, tu penses à cette fille de Nice et son Pokémon? On les a croisés sur le plage tout à l'heure. Oula, on dirait qu'il est énervé. Arrêtez! Vous ne pouvez pas forcer les gens à se battre. Il se passe quelque chose là-bas? On dirait une dispute. On ferait mieux d'y aller voir. Mais non, il y aura un combat et tout. Je suis navré, mais je refuse de me battre. Mon Pokémon n'est pas en état, il a besoin de repos. Vous pouvez bien remettre ça à nature, non? Non, on veut se battre contre Cynthia. Et on veut se battre maintenant. C'est pas tous les jours qu'on a l'occasion d'affronter un mec. Allez, on y va, passez qu'elle est jumée. Ça suffit, vous voyez bien qu'elle ne veut pas se battre. Pierre, on est. Ne t'inquiète pas, Echo. Vous êtes chaud, je sais pas comment ça se dit. On est là. Vous êtes qui, vous? Vous voulez vous battre? Vous allez vite le regretter. Ok, d'accord, ça commence déjà d'entrer. Désolée, je peux pas trop parler fort, on est le soir, chaque fois les... Mais bon, si la prochaine fois je peux le faire en après-midi ou autre, bah, ça pourrait être mieux. C'est parti pour le combat. En avant. Non, mais vous débarrassez, débarquez ou quoi? Quand deux dresseurs se croisent du regard, tout ça. Tu vois, on se bat avec qui on veut piéger. Vous êtes pas vrai. Ok, d'accord, calme toi. Ok, Valérie Lavormienne. Ok. À Passion, les combats se jouent à 3 contre 3. Contrez votre. Contre les. Éclair. Ok. Utilisez une capacité comme ça, voilà. Ok. J'ai tué. Et c'est quand que moi j'ai joué. C'est bien beau les combats, mais c'est très bien joué. Ah, d'accord, on peut jouer quand on veut. Là-bas, la faiblesse, c'est le truc. C'est ça. Hop. Comme ça, il meurt. Nosferatu et Kao. Vous avez battu. Ah, en gros, en fait, on peut laisser jouer tout seul, en fait. Mais bon, le mieux, c'est de jouer soi-même aussi. Comme ça, on peut mieux gagner. Bah, forcément, contre des types de Pokémon comme ça aussi, je ne vais pas rater. T'as l'occasion d'affronter un mec comme ça. Bon, je vous mets pas le son du jeu pour cause de droit d'auteur, on sait jamais. Mais voilà. On est là pour se battre avec un mec, qu'est-ce que vous nous embêtez à vous? Vous avez l'air très nul, ça va le chauffement, mais vous hésitez. Mais lui aussi va un combat. Tristan la terreur.
On va voir si qu'est-ce qu'il va dire. En fait, ça fait chacun de tour. Après, on va attaquer l'autre là aussi. Ou quoi? Non, mais yo. Chaque duo est faible, la force, attentif, exploité. Ouais. J'ai compris, t'inquiète pas. Le cadre de couleur du nom de capacité change, ça indique que vous pouvez. Chez Hélène. Ok, hop. Voilà. Poum, il est mort. Maintenant, essayer d'exploiter la faiblesse. Mais oui, mais j'ai compris tout à l'heure, je l'ai fait en plus. Je l'ai fait sans trop le voir. Pardonnez-moi, il fallait que je tire là-bas. Hop, t'es mort, toi aussi. Ta-ta-ta-ta. Et là-bas, il va me dire d'aller là pour faire le bulle d'eau. Yo. Ta-ta-ta, va pas se laisser faire là avant de mourir. Tu sais, on dirait un peu un jeu de rapidité aussi. Tu sais, en mode vite, vite, il faut attaquer avant qu'on meure et tout. Après, je sais pas. Hein. Vous avez battu, yeah. Ah, vous êtes tout à fait dessus maintenant. Je n'en ai pas. C'est votre pote, pardon. Ok, cool. Quelle équipe, dis donc. On va tout démonter. C'est comment on a pu perdre comme scénario. On se vengera. Bah allez, venez, vengez-vous. Merci, heureusement que vous étiez là. J'ai discuté tranquillement avec Cynthia quand ils ont commencé à se prendre à nous. Tout est bien qui finit bien, c'est l'essentiel. Jessie, je te présente Echo, une dresseuse célèbre qui vient de la région de Nice. Ravie de faire ta connaissance, Jessie. Echo, nous voulons te demander un service. Mais nous ne voulons pas te voir. Compagnie de Martino, ici à Passio. Vous me connaissez, c'est un véritable honneur. Merci d'être venu à notre aide. Jessie m'a particulièrement impressionnée, tout simple. Tout semble posséder un potentiel hors du commun. Je sais que les combats VPR vont être encore plus palpitants que je n'imaginais. La prochaine fois que nous croiserons, je serai ravie d'abonder. À bientôt, Cynthia. Prenez soin de vous. Elle est bâtie. Ça alors, Cynthia, t'as fait un compliment. C'est incroyable, Jessie. Il faut dire que tu as été remarquable pendant le combat. Et ouais. Au fait, nous avons quelque chose à te demander. Nous voulons participer au VPN et recherchons. Mais on est déjà complet. Mais non, c'est trois, on est trois. Oh, je vois, vous voulez que j'enchaîne, c'est ça. Avant de prendre ma décision, j'aimerais qu'on fasse un combat. J'ai besoin de savoir ce que vous dites. Non mais sérieux, quoi, on a déjà fait des combats, oh. Je sais que dans Pokémon, il faut quand même faire beaucoup de combats, mais bon. Et bon, on veut que tu sois dans notre équipe, les autres ils ont été gentils, ils n'ont pas fait faire des combats. Oh là 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 là, on nous apprend de nouvelles choses. Echo veut se battre. Waouh. Vous avez désormais accès aux capacités du... Les capsidios sont puissants, ok. Ok, éclair là-bas, pouf. Ah, mais j'ai pas dit à lui. J'ai dit éclair à lui là-bas. What? Ah là, pardonnez-moi. Utilisez le type, ouais. Éclair là-bas. Tac. Comme ça, lui, il meurt. Le compteur posé en 3. Ok. Après, il nous faut... ça. Le jet de pierre, là-bas. Mais non, il n'est pas lui. Là-bas. Oh là là. Qu'est-ce qui se passe? Waouh. Ah bah voilà, il a fait son jeu de terre, ok. Là-bas, j'ai pas pour le moment. Bah tu vas faire tes bulldo, hein. Il est pas allumé. Ah, c'est pas grave. Il est quand même mort, heureusement. Pikachu, vas-y. Paie ton attaque d'éclair. Yahoo! Oh, c'est tout. Bon, bah, va pas. Ah, vas-y.
Pikachu, oui, vas-y mon Pikachu. J'ai confiance en toi. Bien joué, Pikachu. Je savais bien que mon Pikachu était trop fort. Tu vois, voilà. C'est incroyable, Jessie. Tu es encore plus doué que l'imaginer. Ah bah ouais, t'as cru quoi que j'étais nul, moi? T'as cru que mon Pikachu allait faire des chatouilles? Bienvenue dans l'équipe. Génial, ça me fait super plaisir avec moi et vos côtés. Ah oui, en gros, ça fera plus de personnages, enfin de Pokémon et tout, qu'après, voilà. J'y pense, j'aimerais vous présenter quelqu'un qui s'appelle René et je l'ai rencontré ici même à Passio. Pourquoi pas, comme on dit, plus on est faux, plus on rit. Qu'est-ce que c'est drôle, dis donc. Allez, allons voir ce petit René. Quand je l'ai croisé, il m'a dit qu'il allait à la plage. Suivez-moi, je vais vous y conduire. Allons-y, Jessie. Et bah, c'est parti. Allons voir ce cher René. Oh oh, ça sonne. Ah non, c'est parce qu'on a eu elle. Ok. Salut, je m'appelle Echo. Enchantée. Vous me direz dans les commentaires si on dit Echo ou Echo. Heureuse de rencontrer. Je m'appelle Belly. Je suis professeur Pokémon. J'étudie duo à Passio. Tu t'appelles Jessie, c'est bien ça? Pierre et Ondine m'ont dit qu'ils faisaient équipe avec une dresseuse à casquette très prometteuse. Tu t'habitues au combat en équipe de Passio? Oui, je m'abuse beaucoup. Impeccable, continue comme ça, surtout que nous avons encore tant à découvrir sa puissance. Okay. D'ailleurs, si j'apprends que ce soit grâce à mes recherches, compte sur moi pour te faire signe. Oula, tu as vu l'heure, il faut vite que je finisse mes courses et que je retourne au labo. Ah, j'y pense, j'ai vu que la boutique proposait plein de choses qui devraient t'aider à progresser. Tu devrais y aller l'éternel. Mais je crois que je n'ai pas besoin de tout le te dire, tu vas aller à tes bruits. Je dois y aller, bonne chance. Au revoir, mesdames. Qu'est-ce qui se passe? Bienvenue, nous avons reçu de nouveaux produits. Ok. Boutique. La boutique vous permet d'agrandir. Ok. Trouve. Ok. Appel du haut. Appel du haut. Qu'est-ce que. Waouh. Ok. En direct, on met notre téléphone à charger. Salut Blanche, à la recousse, t'as intérêt à être reconnaissante. Ok. Ok. À toi aussi, ici vous pouvez modifier votre équipe. Oh mais non, je veux pas modifier mon équipe. Commencez par sonner le duo que vous souhaitez remplacer par elle. Ok. C'est du haut, désormais parti. Ok. Et voilà, votre équipe a été modifiée. Heureusement qu'on m'a pas enlevé mon Pikachu. Hein. Oh, sinon, j'aurais pas été d'accord du tout. Alors, tu ne comptes sortir si tard. Ne t'en fais pas trop. On a l'air pour demain. Ok. Et bah, sur ce, ça sera la fin de ce début de vidéo, de ce let's play. On fera le chapitre 2 la prochaine vidéo si le jeu vous aura plu. Et puis voilà, on va tout accepter comme ça sera fait. Hop. J'espère que ça vous aura plu. Je vous laisse liker, commenter cette vidéo et je vous dis à la prochaine.